Moi, je suis Nadia Benbehten. Je suis une passionnée de l'océan et une nageuse en eau libre, c'est-à-dire tout ce qui est natation en dehors, enfin dans des lacs, dans des rivières, dans les océans. J'ai eu la chance de pouvoir faire quelques belles traversées symboliques, notamment la traversée du détroit de Gibraltar entre l'Espagne et le Maroc, donc qui relie deux pays mais aussi deux continents. Aujourd'hui, je suis honorée de participer à cette deuxième édition de la compétition de natation organisée par la British International School parce qu'il me tient à cœur de passer un moment avec ces jeunes qui s'investissent toute l'année dans la préparation autour de la natation. Parce que finalement, au-delà du cursus scolaire de ce qu'ils peuvent apprendre à l'école, pouvoir avoir accès à des infrastructures comme celle-ci. S'investir dans le sport leur permet de s'imprégner des valeurs du sport, de la discipline, de la rigueur, de l'endurance, de la solidarité, qui sont des valeurs qui finalement vont les accompagner toute leur vie et pas uniquement pour aller chercher des médailles, même si évidemment je pense qu'on aura quelques pépites parmi les tout petits qu'on a vu nager aujourd'hui. Good morning, my name is Mr. Richard David Costello Udi. I'm the headmaster at the International School of Casablanca and we're hosting our second annual swim meet. At the school, we're very fortunate we have a 25-meter swimming pool with professional staff who are our coaches for our students. And so they get the best possible start in how to swim competitively. The swimming program is in the morning and in the evenings, and we run something called the Competitive Elite Swimming Program, where a number of our students actively participate. Our core aim is to produce as many internationally qualified athletes as possible. محمد السيوطي بطل المغرب 83 84 85 هاجرت للديار الامريكيه مشيت عشت تما واحد 30 سنه وجيت سيرتيفي بار لا فيدراسيون جو سوي سيرتيفي بار لا فيدراسيون امريكان دو ناتاسيون وكنت كنشتغل ان طونك كوتش ديال جونيور اولمبيكس ديال 5 ايطا Voilà, c'est une grande journée pour nous à la British International School of Casablanca. C'est notre deuxième édition du meeting international. On a les nageurs de toutes les nationalités, des élèves de l'école, qui font la compétition avec des nageurs de la fédération. Ça n'a jamais existé au Maroc. C'est que des nageurs de l'école qui ont des médailles d'or, des médailles d'argent et qui n'ont pas de licence avec la fédération. Donc le système sport-études, il est établi. Je m'appelle Ritel Mouachalif. Aujourd'hui, nous avons été invités par British International School pour cette compétition qui inclut TSC, Raja, Greenwood et British School.
j'ai fait personnellement le 50 nage libre. Et c'est, le but de cette compétition, c'est de préparer pour le championnat du Maroc qui aura lieu en août et aussi la Coupe du Trône qui aura lieu en juillet. Merci. J'espère qu'on aura de plus en plus d'infrastructures de qualité comme celle-ci qui vont offrir aux jeunes, au-delà de l'éducation classique, un accompagnement et un complément à travers le sport pour toutes les valeurs qu'il véhicule, mais aussi parce que ça peut aussi ouvrir des portes. Aujourd'hui, grâce au sport, on peut faire de belles carrières, mais on peut aussi avoir des bourses d'études. Voilà, donc c'est que du bénéfice et bravo à tous les parents qui soutiennent leurs enfants dans cette démarche.